collines d'Angleterre nous montrent que le monde ici est tout petit. Et un corps déployé sous le faux déchaîné, je l'appelle un grand cri, parviens Marie. Tel qu'un aboliment pour pêcher que c'est le bon temps, mon fier me la rendra dans mes bras. Maintenant l'amour est devenu
Les serveurs, les sponsors, les parents, les étudiants. On applaudit notre part.
sent bon le sable chaud et s'appelle Polo. Et puis notre animateur maison, celui qui vous accompagne pendant toute cette après-midi, qui vous ravira par ses sketchs endiablés, ses chorégraphies extraordinaires, son tour de chant qui dépasse le entendement, mesdames et messieurs. C'est surtout lui qui signe mon chèque à la fin de la semaine. Donc, vous voyez, donc je suis très très heureuse de vous le présenter, n'est-ce pas? Il s'appelle Yves Domary. Mesdames et messieurs, il y a des gens qui étaient de la région lilloise. Il y a des gens qui viennent de la région lilloise parmi vous. Roubaix, c'est pas vrai, vous êtes de Roubaix. Et dans quel coin, Roubaix, quel quartier? Ah, Lucine, l'avenue Motte alors? Ah, d'accord, ok, ça va. Tout le monde est de l'avenue Motte? Et le? Ah, c'est les impôts de Roubaix. Ah, je vous aime déjà beaucoup moins maintenant, hein. C'est les anciens des impôts, si j'ai bien compris. Eh bien, il en faut. Comment est-ce qu'on paierait des balles le luxe à Macron, si vous n'étiez pas là? Hein? Forcément. C'est vrai? Non, je plaisante. Non, mais ils n'ont pas bonne presse, ces impôts, mais bon, il en faut, parce que c'est quand même grâce à tout ça qu'on a l'entretien des routes et tout le bazar. Faut être honnête. Bon, on est toujours en train de râler, parce que, bien sûr, forcément, on n'aime pas de les donner. Surtout avec le prélèvement à la source, il va y avoir moins de boulot maintenant. Ben non, vous êtes en retraite, donc t'as eu tranquille. Voilà. Et vous êtes donc tous de Roubaix. Vous habitez tous à Roubaix, alors? Moi j'ai travaillé longtemps sur Roubaix. Je connais bien Cavalépeul, je connais bien la Loire, je connais bien le Pile, je connais bien les Trois Ponts, je connais bien tous les beaux quartiers de Roubaix. Ah oui, alors par mon avis, dans ce coin-là, il y a une paire qui doit m'inviter au Beaujardin, à mon avis. Hein, ouais, regarde. Avoir vos gamelles, à mon avis, aux impôts, on doit bien manquer quand même, hein. Ouais. Alors pour vous dire, parce que vous ne connaissez pas forcément Roubaix, le Beaujardin, c'est les quartiers chics, vous savez, c'est juste à côté de Croix. C'est là où il y a toutes les grandes fortunes du Nord-Pas-de-Calais, les Mulliers, les Coines, etc. Vous voyez, c'est par chez eux. Mais c'est beau, hein, avec ce coin-là de Roubaix, il faut être honnête. Hein. Roubaix, c'est une très belle ville, faut le dire, mais c'est la piscine. Moi, j'y fonctionne bien. Ouais, mais chez moi, ça marche bien, t'inquiète pas. Hein. Non, des fois, tu chercheras après, elle est toujours bien cachée, tu sais, ouais. Je crois que j'avais dans un bol à dents le soir avant d'aller dormir, mais quand même. Voilà, la française de mécanique, mesdames et messieurs, on peut les applaudir très très fort. Ils sont où, la française de mécanique? De là, de là et là. Tout ça, c'est la française de mécanique. De où, mes chéris? Ah, d'Ouvrain, à côté de la Bassée. Ah, d'accord, ben ça, c'est plus par chez moi, parce que moi, j'habite à Los. Vous voyez, la Bassée, d'Ouvrain, pour remonter un petit peu vers. Ouais, oui, il y a la prison, mais elle est démolie depuis longtemps, babache. Oh, voilà. D'habitude, ils mettent les plus intelligents devant, mais certains d'entre vous ont fait des exceptions aujourd'hui, hein. Oh ! Bon, vous inquiétez pas, mes chéris d'amour, tout ce qui va être dit aujourd'hui, c'est de l'humour, il faut le savoir quand même, hein. Voilà, ne prenez rien mal, on est là pour s'amuser, de toute façon, vous l'avez compris, vous m'avez l'air d'être un public extraordinaire aujourd'hui. J'aime bien monsieur là avec ses lunettes. Moi j'ai un truc. Je vous trouve très sexy, monsieur. Ouais. Avec vos... C'est autrement que le bazar qu'ils ont mis devant moi là-bas, là, avec ses lunettes. Regarde le rêve, regarde le cauchemar. Oh! Bon, c'est ton mari, madame, à côté? C'est ton mari? Mes condoléances, madame. Une belle femme comme vous avec un bazar pareil. Comment qu'il s'appelle, madame, votre mari? Jean-Marc. Ça reviendra à la mode un jour, faut pas t'inquiéter Jean-Marc, c'est rien. Mais t'es beau quand même, t'as du style quand même, et madame elle a quand même eu l'élégance de te choisir. Et je trouve que vous êtes un très joli couple quand même. On va les applaudir très très fort, c'est Jean-Marc et Thérèse. Jean-Marc et Thérèse, on les applaudit très fort, mesdames et messieurs, voilà. Quant à moi, eh bien, généralement, j'ai l'habitude de me présenter moi-même. Mon prénom à moi fait un peu rêver, même si on voulait un peu déflorer tout à l'heure. J'ai un peu cette douceur éthérée qu'ont les êtres qui n'ont pas de sexe, c'est-à-dire les anges. J'en ai fait mon prénom pour vous servir. Mon prénom, moi, c'est Ange, mesdames et messieurs. Voilà. Je reviendrai cet après-midi égayer votre après-midi par quelques petits passages afin de vous faire pénétrer dans mon univers. J'ai bien sûr parlé de mon univers lorsque j'ai parlé de pénétration, que ce soit bien clair pour tout le monde. Bien. Non, mais bon.
Je sais qu'Inda est drôle, hein. Je le fus déjà, j'ai fait mon petit tour, j'ai dit Inda, ils sont piqués bouc, hein. Enfin bon, c'est pas grave, un coup dans le chat, un coup dans le pot, ça va toujours chapeau. Bien, allez, tant qu'on y est, hein. Faut pas vous inquiéter, messieurs, c'est pas contagieux. Ils sont bien placés pour en parler, parce que l'homosexualité, c'est comme les impôts. C'est le premier tiers qui dure à passer, après ça va tout seul. Bien, ah, c'est vrai, mes chéris, voilà. Ah bah écoutez, il fallait bien que je fasse une blague. En tout cas, deux règles de fonctionnement, mes chéris. Première règle de fonctionnement, lorsque les artistes rentrent sur la scène, on les applaudit. Ça sert à rien, mes chéris, je suis déjà rentré. Deuxième règle de fonctionnement, lorsque les artistes quittent la scène, on les applaudit. Ça tombe bien, je m'en vais. Merci beaucoup.